Pas les blueberries, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la suite des aventures du QSG vidéo spéciale de Noël. Je vous souhaite joyeux Noël à tout le monde. Et puis, on démarre tout de suite. À tout de suite. Lyon-Nantes, la meilleure attaque face à la meilleure défense du championnat. Le premier, le leader nantais à cette époque-là de la saison. Face au 7 ou 8e du championnat à l'Olympique lyonnais. C'est parti. On joue depuis 8 minutes, déjà une occasion. Allez, le contre avec Da Costa. Ah, il faut placer l'attaque correctement. Donc, joyeux Noël à tout le monde, c'est la vidéo spéciale de Noël. Hein. C'est pour ça que vous m'avez vu dans l'intro bien sapé. Je vais bientôt aller fêter Noël, mais d'abord, je vous ai. Bon, je tombe. Mais d'abord, je fais cette vidéo spéciale de Noël. Allez, ouverture du score pour Dembélé, lui qui est pas très bon. Lui qui est pas très bon en ce moment, on est en vérité. J'espère qu'il va se relever hein, pour l'OL, ça serait bien. Qu'il va ses mauvais moments. En tout cas, il y a des bons et des mauvais moments dans une saison. Et là, il est dans une mauvaise période, comme un peu l'OL en ce moment, en vérité. Gnabry qui est passé avec Dembélé, le 1-2 magnifique. Il n'y a pas d'hors-jeu pour Adélaïde. Et la meilleure défense de Ligue 1 qui va plier deux fois. En l'espace de 25 minutes, c'est signé Jeffrey Adélaïde, que j'ai fait le choix à ce moment-là, il n'était pas encore blessé où j'ai tourné, mais voilà, j'ai fait le choix quand même de laisser malgré les ruptures des ligaments croisés, comme Memphis. Dembélé, ça fait 34e minute, parce que là, vous voyez pas ma tête, mais j'ai supprimé les fichiers quand je... Je voulais faire en 13e à l'époque, j'ai le temps des nouveaux trucs. Voilà, mais j'ai supprimé les fichiers comme un con, donc j'ai été obligé de refaire. Le centre dans la surface, la meilleure attaque de Lyon a marqué 3 fois et Lyon est pour l'instant, je crois, à ce moment-là, meilleure défense du championnat. Excusez-moi. Allez, le coup d'envoi de la seconde période ici au stade de Lyon, ou pas mal, Stadium de Lyon dessine toujours 3 buts à 0 pour l'OL. Anthony Lopez s'est battu, ça fait 3 buts à 1 pour les hommes de Rudy Garcia. Allez, le ballon là-bas avec Koulibaly. Quelle occasion! Les Nantais qui avaient pas mal démarré leur championnat en vérité, et même dans le jeu on voit bien, et puis en vérité je vais pas vous dire la suite parce que je la connais, quelle occasion là dans le jeu, mais en vérité qui a un peu baissé, mais c'est quand même pas mal hein, pour une équipe phare de notre championnat, une équipe légendaire de la Ligue 1. C'est un classique Lyon-Nantes, une équipe classique de Ligue 1. 68e minute, le centre de Moussa Dembélé vers son capitaine Memphis. Ça fait... Non, c'est Thomas Delaney, pardon. Ça a fait 4-1. Rappelez-vous, dans la vérité, il y avait eu 1-0 pour Nantes. On avait vu le vlog. J'ai eu des problèmes avec la sécurité pour la caméra. Voilà. Allez, le ballon nantais. La frappe et la parade d'Anthony Lopez. Le contre emmené par le capitaine Memphis. Memphis qui va rentrer dans la surface. La frappe et ça fait 3. Ça fait 5, pardon, pour l'Olympique Lyonnais. C'est signé le capitaine Memphis. Un petit moment d'arrêt. Le ballon dans la surface en retrait pour Da Costa. L'arrêt. Dembélé. Ça fait 6. Moussa Dembélé le triplé, il me semble. Ou le doublé, ne croyez pas que j'ai mis que les buts, hein. C'est que voilà, on se retrouve pour la conférence de presse, à tout de suite.
face à l'Olympique Lyonnais, c'est parti. Ligue des Champions, deuxième journée de phase de groupe. Allez, si vous vous demandez pourquoi j'ai pas eu le droit d'auteur sur la vidéo, c'est parce que c'est la musique de la Ligue des Champions qui a retenti au Groupama Stadium. Donc voilà, première occasion. Quelle occasion pour les Gones. Le ballon en retrait pour les Gones, pour les psychiques. Le cafouillage, ça va passer au-dessus de la cage lyonnaise. Jakob Poulsen, les Lyonnais dominés. Dans cette première partie de première période, on est à la 17e minute. Voilà, comme je disais tout à l'heure, pour un moment, ne croyez pas que j'ai mis que les buts, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres occasions à part les buts ou presque. Ouverture du score pour Leipzig. Attention les Lyonnais, les invincibles Lyonnais pour l'instant qui n'ont perdu 0 match ou une compétition confondue. Le ballon dans la surface. La transversale qui vient sauver le portier. Lyonnais Anthony Lopez, allez, Moussa Dembélé, ballon dégagé, et le contre emmené par le Red Bull Leipzig, non, bonne défense, récupération haute des Lyonnais juste avant la pause, pourquoi pas égaliser avec Moussa Dembélé, égalisation, signé Moussa Dembélé. Allez, un but partout ici à la Red Bull Arena, la pause en quelques instants. On va rester ici, voilà, la pause c'est pour maintenant, 0-1 but partout, ici à la pause à Leipzig, coup d'envoi de la seconde période, ouverture du score de Jakob Poulsen à la 19e minute, égalisation de Dembélé à la 45e minute, 2 buts partout, 1 but partout, 54 minutes de jeu. Allez, on espère que pour l'OL, bah, l'OL s'est qualifié en Ligue des Champions au dernier match face à Leipzig au Groupama Stadium, on y était d'ailleurs. Pour ce vlog, allez voir si ça vous convient comme pour Nantes. Allez, but pour l'Olympique Lyonnais. Signé Kenny Tété, ça fait 2-1. Les Lyonnais contre le cours du jeu. 61e minute, allez peut-être pour plier la rencontre. Marcos Asensio, magnifique. Gnabry, pardon, en retrait pour Serge Gnabry et pour Adélaïde. Et quelle occasion! Gnabry, peut-être frappé, non, il a trouvé, dégagé, ça va revenir. Et il faut mieux défendre que ça, Campbell, Kim Campbell. Allez. Une belle Champions League pour les Lyonnais, la frappe et la parade d'Anthony Lopez. Allez, il faut marquer. Gnabry dans la surface, en pleine surface, la frappe de Gnabry, la parade. C'est un angle fermé. Et on va en rester là. Je vous laisse avec la conférence de presse. Et à tout de suite les amis pour la suite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis qu'il chante pas lié à la prochaine, salut.